Eh bien, salut YouTube, salut les abonnés, comment allez-vous? Je vous en trouve pour une nouvelle vidéo explicative de l'event qui va y avoir samedi. Donc, avant de vous expliquer l'event de samedi, j'ai fait un Utip. Donc, du coup, je mettrai le lien dans la description. Utip, c'est quoi? Ben, tout simplement, c'est une plateforme dans laquelle toutes mes vidéos apparaissent. Si vous cliquez sur le lien, en fait, que vous regardez, vous pouvez regarder les vidéos directement sur Utip et vous pouvez me soutenir en fait en regardant soit une publicité, donc c'est totalement gratuit. Hein. Vous cliquez sur la pub, vous regardez la pub et ça me donne de l'argent en fait en quelque sorte, un tout petit peu. Et ou sinon, vous pouvez tout simplement me faire un don si vous le souhaitez. Voilà, donc voilà, c'est vraiment une petite parenthèse. Le lien sera dans la description. Je vous invite à y aller, à vous abonner, à me suivre dessus, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis en même temps, ça aiderait la chaîne à évoluer. Voilà, donc maintenant, parenthèse fermée, on va passer à l'event de samedi. Donc l'event s'appelle tout simplement Alcatraz. Donc vous voyez l'île qui a où c'est qu'il y a la prison, l'espèce d'île où il y a la prison. C'est vrai que c'est un endroit qui n'est pas très exploité étant donné que ben, il n'y a pas de pont, il n'y a rien, quoi, c'est la mer et du coup c'est casse-couille à y aller et revenir. Alors en fait le but sera très simple, c'est qu'on va tous se rejoindre là-bas en fait. Et donc il y aura un groupe de policiers, un groupe de prisonniers. Donc les policiers devront patrouiller dans toute la prison, excusez-moi, ils vont devoir ben, patrouiller dans toute la prison. Donc il y en aura à l'extérieur de la prison et il y en aura à l'intérieur. Ensuite les prisonniers auront chacun une prison, tout simplement, une cellule. Et de temps en temps les prisonniers les feront sortir pour aller dans la cour. Et c'est à ce moment-là qu'on est dans la cour qu'on va devoir réussir à s'échapper en fait. Voilà. Et donc à certains endroits dans la prison et à l'extérieur de la prison, on planquera quelques couteaux en fait. Et donc les prisonniers pourront les prendre et pourront tuer les policiers si toutefois ils y arrivent. Mais attention, les policiers pourront tuer les prisonniers en dehors de la prison. À l'intérieur de la prison, les prisonniers n'auront, les policiers n'auront strictement pas le droit, excusez-moi, de tuer les prisonniers. Ils devront, cependant, ils seront peut-être équipés d'un pompe. Ça c'est quelque chose que je vais en parler avec Mini en fait. Ce serait intéressant qu'ils soient équipés de pompes comme ça, si ça peut éviter comment dire, tous les prisonniers qui se révoltent en fait. Un petit coup de pompe dans la gueule, les gens ils tombent ou dès que ça commence à partir un petit peu en embrouille, paf, un petit coup, au moins ça calme le jeu. Voilà. Ensuite, seuls les policiers pourront donner à boire et à manger aux prisonniers. Voilà, donc il est préférable aux prisonniers de réfléchir quand même avant de partir, d'avoir un plan, parce que bien entendu, si vous sortez l'enceinte de la prison, ben, vous pouvez tout simplement mourir. Alors le but pour pouvoir gagner la partie du côté prisonnier, c'est de réussir déjà à sortir de la prison. Une fois sorti de la prison, il faudrait éviter les gardes à l'extérieur de la prison, qui feront des patrouilles, bien sûr. Aucun garde sera en train de camper. Donc ils seront dans l'obligation de vraiment faire un tour de l'île, dans la prison, faire le tour, monter les escaliers, aller aux étages, tout ça, pour surveiller mais justement qu'il n'y ait personne un peu caché dans les couloirs. Une fois que vous passez le pont, que vous descendez, vous avez une toute petite île en face de cette île de la prison. Il faudra que les prisonniers se rendent dessus. Une fois dessus, les prisonniers auront gagné. La vue troisième personne sera strictement interdite. Donc ce sera que la vue FPS qui sera tolérée. Ensuite, pour les prisonniers morts, ils devront le signaler dans le Discord. Voilà. Donc une fois morts, eh ben, ils seront mis sur le côté. Ils seront retour à la plage. Et puis pourront refaire leur vie, quoi, normal. En attendant que l'event se termine. Et puis voilà. Tout simplement. Donc en tout cas, j'espère que cet événement ben, vous fera plaisir. Voilà. Donc l'événement se déroule samedi. Hein. Donc on remercie Mini pour cette idée. C'est bien sûr l'idée vient de Mini. Donc moi j'ai hâte en tout cas de mettre les doigts dessus, j'ai hâte de m'éclater dessus. C'est vrai que c'est un petit événement qui me tâte pas mal, vous voyez, hein, un petit prisonnier police, ça risque vraiment sympa. En tout cas voilà, si vous voulez rejoindre le serveur, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il y aura le lien dans la description. Bon par contre, on fera pour ceux qui demandent à chaque fois quand est-ce qu'il y a les entretiens, donc les entretiens c'est le samedi à 18h et le mercredi à 18h. Donc pour ceux qui rejoindront là pour l'event, eh ben, ce ne sera pas possible. Ça m'étonnerait que vous soyez rentré pour l'événement. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres événements sur serveur. Donc normalement on fait un événement par week-end. Voilà, donc si pour ceux qui sont in-game, qui ont des idées d'événements, ils pourront le dire, mais ça, vous inquiétez pas, il y en aura plein, plein, plein. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à la partager, à aimer ou bien à rejoindre le serveur, ça nous fera plaisir. Et puis, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis ciao, ciao. Et n'oubliez pas, les amis, c'est vous les meilleurs. Bisous. Working, waiting, alone without a care, hoping and hating.